un, déjà, vous faites peur à qui? Et deux, vous vous prenez pour qui? Parce que si aujourd'hui, vous voulez mettre une armure comme au Moyen-Âge, avoir un glaive et décapiter les Sarrasins, vous pouvez aussi le faire. Après, je vous cache pas que c'est difficile de monter dans le métro avec une armure, mais il faut juste un moment redescendre. Il y a des lois, il y a une justice. On essaye de reconsolider les liens aussi avec une police avec qui on a pu avoir des désaccords. Mais tous les policiers sont pas pourris. On essaye de construire. Mais vous, vous êtes là pour détruire et vous voulez quelque chose. Et Thaïs, dites-le-moi dans les yeux, ce que vous fantasmez, c'est non pas de sortir avec un arabe noir, mais vous fantasmez l'idée d'une guerre civile avec d'un côté les musulmans et de l'autre côté, vous, comme les gardiens de la patrie. Mais ça, je vous le dis, pour faire une guerre, il faut être deux. Non, mais vous n'aurez pas votre guerre. Vous exagérez. Alors, oui, vous êtes... Attendez, je suis quand même toujours assez mal à l'aise avec le fait que vous puissiez me faire la leçon, les leçons de morale, alors que je sais que vous avez quand même été interpellé de nombreuses fois. Vous avez absolument. Vous avez été inculpé pour harcèlement moral à de nombreuses reprises. Ah non, mais vous faites une erreur. Harcèlement, c'est pas inculpé. Thaïs, ne rentrez pas là-dedans. Dans les deux, vous allez vous retrouver avec une poursuite judiciaire bêtement de plus. Nous n'avons pas été condamnés.